Jean-Paul Lecomte, le tueur de la Somme. Il en a fallu du temps pour que cet homme reconnaisse qu'il a violé et tué. On a pourtant retrouvé son ADN sur le corps de sa victime, mais lui ne pouvait pas l'admettre. Il lui a fallu 2 procès pour craquer. Mais assumer un autre viol et un autre meurtre, ça, il n'a pas pu. Alors certes, dans cette deuxième affaire, il a été condamné, mais sans jamais baisser la tête. Jean-Paul Lecomte, c'est l'histoire exemplaire d'un enfant privé d'amour maternel qui va le faire payer à toutes les femmes qu'il va croiser. Une nuit, sur une petite route de la Somme, près de Péronne. Le lendemain matin, 11 janvier 2002, des automobilistes repèrent une voiture accidentée et préviennent la gendarmerie. Dans la véhicule, il n'y a personne. Il n'y a aucun occupant à proximité ou une personne qui aurait rejoint à pied la commune de Péronne. Il n'y a personne. Quoi. C'est un véhicule qui est abandonné pour une raison indéterminée. Grâce au numéro d'immatriculation, la voiture est identifiée. Elle appartient à une jeune femme, Élodie Kulik. Les gendarmes fouillent les bois et les champs du coin. Élodie est introuvable. Dès le départ, effectivement, on se retrouve avec une disparition inquiétante, puisque la personne, logiquement, aurait dû soit la retrouver sur les lieux de l'accident, puisque elle aurait pu être blessée à l'intérieur, donc là évacuée sur un centre de secours. Elle n'est pas dans un hôpital. Elle ne donne pas sur son portable, il n'y a pas de contact téléphonique avec son portable. Son lieu d'emploi, elle est absente et son domicile est absent également. Cette nuit-là, Élodie rentrait d'une soirée passée avec un copain. La veille des faits, donc, elle a rejoint un ami sur Saint-Quentin où elle a mangé dans un restaurant chinois. À l'issue, elle est allée prendre une dernière consommation chez cet ami qu'elle a quitté vers 23h30-23h40 pour rejoindre son domicile à Péronne, sachant qu'elle travaillait donc le matin du vendredi à sa banque. À 24 ans seulement, Élodie dirige une petite agence bancaire à Péronne. C'est la plus jeune directrice d'agence en France. Jeune et jolie, tout semble lui réussir. Élodie n'a aucune raison de disparaître. C'est une jeune femme dynamique, avec un bagage d'étudiante tout à fait consciencieuse. Elle avait réussi à avoir un poste de responsabilité. Il n'y avait aucune raison qu'elle disparaisse, tout en étant d'ailleurs très attachée à sa famille, si bien qu'elle ne partait jamais sans dire où elle allait, enfin tout au moins pour un certain temps. La nuit était froide et brumeuse. Personne n'a vu l'accident. Personne n'a vu Élodie. 2 jours plus tard. Le corps d'une jeune femme, directrice d'une agence de banque à Péronne dans la Somme, a été retrouvé samedi dernier en partie calciné dans un champ. C'est Élodie. Son corps est découvert à 5 km du lieu de l'accident. Elle est méconnaissable et le bas du corps est plus particulièrement brûlé, mais toute la surface a été calcinée. Comme si le meurtrier avait voulu effacer ses traces. Mais il a laissé des indices, des mégots de cigarettes et une serviette éponge. En dehors des mégots et de la serviette qui a été découverte, un préservatif usagé a été trouvé sur place. Maintenant, est-ce qu'il est lié directement ou indirectement avec cette affaire ? Seule l'analyse des différents des objets permettra d'affiner cette situation. L'autopsie montre qu'Élodie a été violée avant d'être brûlée. Le préservatif trouvé près de son corps est analysé. Les experts y
isole un ADN. On a l'ADN nucléaire, donc l'ADN signature, sur le préservatif. Et plus tard, lorsque l'examen du corps d'Élodie aura été réalisé, on retrouvera la même trace d'ADN sur elle. Donc on sait que cet ADN est celui de la personne qui l'a violée avant de l'assassiner. Jacky Kulik, vous êtes le papa d'Élodie. Dans quelles circonstances est-ce que vous apprenez sa mort ? Élodie disparaît la nuit du jeudi 10 au vendredi 11. Et le vendredi 11 au matin, on se rend bien évidemment à Péronne, mon épouse et moi, on va voir sur place. Et bon, on n'a pas d'autres nouvelles. On commence à voir des enquêteurs qui nous disent, bon, bah, écoutez, on surveille toute la zone, il y a même un hélicoptère qui tourne, on recherche votre fille. Et c'est le lendemain matin, le samedi matin, qu'on a un coup de fil en nous disant qu'on a retrouvé un corps qui est vraisemblablement le corps de notre fille. Ça vous frappe alors que votre famille a déjà été lourdement frappée, c'est-à-dire que vous en avez bavé, vous, hein ? Oui, on en a bavé, effectivement. J'ai été victime d'un accident de la circulation en 76, dans lequel j'ai perdu deux enfants. J'avais une fille de 6 ans et un garçon de 5 ans. Elle avait changé, Élodie, ces derniers temps ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait indiquer qu'elle était en conflit avec quelqu'un qui... Non, absolument pas. Je ne lui connaissais pas d'ennemis. Elle avait pas changé. Elle était toujours aussi radieuse. Elle était toujours aussi souriante. Elle avait pas de problème. Et moi, je pense que si elle avait eu un problème, elle m'en aurait parlé. On a retrouvé un ADN sur la scène de crime. Est-ce que ça vous donne l'espoir que l'assassin sera arrêté ? Oui, parce que l'ADN, c'est un ADN nucléaire. Donc, le jour où on trouve le titulaire de l'ADN, on peut dire qu'il fait partie des assassins d'Élodie. Élodie Kulik a-t-elle été victime d'abord d'un accident, puis d'un viol, puis d'un meurtre ? Ou a-t-elle été suivie par son agresseur, puis entraînée dans un guet-apens ? Tous ceux qui connaissent Élodie, sa famille, mais également des amis, vont tous dire une chose, qui est la même à chaque fois. Élodie était quelqu'un qui roulait très prudemment. Elle ne roulait pas vite, elle ne faisait pas d'excès de vitesse, c'était quelqu'un de très prudent. C'est pas à elle qu'on aurait pensé pour un accident de la route. D'autant que cette nuit-là, Élodie a appelé les pompiers. On va apprendre assez rapidement que la nuit où l'accident a eu lieu, l'opératrice du centre départemental d'incendie et de secours, la permanentière, va recevoir un appel téléphonique de quelqu'un qui crie. Un hurlement. Élodie avait l'air terrorisée. Quand on entend l'enregistrement, on est glacé d'effroi par la terreur que manifeste Élodie. On ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle crie, elle hurle de peur, de terreur. Il n'y a pas de parole, c'est plus de l'émotion, on ressent de l'émotion et des pleurs. Et en arrière-plan, des voix, ça va aller. Des voix en arrière-plan. Il y aurait donc plusieurs agresseurs. Cet appel de détresse semble montrer qu'Élodie a été victime d'un guet-apens. Si, comme c'est le plus vraisemblable, elle appelle les secours juste après l'accident, alors qu'elle voit des gens qui se dirigent vers elle, on ne peut pas, à la suite d'un banal accident de la circulation, quand on voit des gens qui viennent vous porter secours, être terrorisé comme elle l'est. C'est vraiment des cris de terreur que l'on entend, et ça, ce n'est pas possible à la suite d'un accident. Jacky Kulik, vous avez écouté, vous avez eu la force d'écouter les enregistrements ? Oui. Bien évidemment, mon avocat, le juge, les juges m'ont toujours déconseillé de l'écouter. Bon, en me disant, bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, hein, ça dure 23 secondes, et puis, bon, il y a les cris d'Élodie qui seront insupportables. Mais bah, j'ai voulu l'écouter parce que je m'étais dit que
peut-être, je reconnaîtrai une voix. Et c'était ma dernière chance, en définitive. Hein. Je voyais ça un peu comme ma dernière chance. Malheureusement, non, on ne peut pas en retirer grand-chose, sauf que, bon, on a la quasi-certitude que les assassins sont au moins trois. Les accents sont des accents picards. Enfin... Je dirais, moi, des accents locaux. Des accents de, oui, de, du Nord-Pas-de-Calais, du, ouais. De notre du grand nord de la France. Voilà, quoi. Voilà. Donc ça ouvre ça une piste locale. Voilà, tout à fait. Tout à fait, d'autant plus j'ai toujours pensé que il fallait être de la région pour agresser Élodie où on l'agresse et puis pour transporter son corps où on le retrouve. Il fallait connaître. Pour moi, il fallait connaître. Une empreinte ADN, mais pas de nom derrière. Les enquêteurs n'ont aucune piste sérieuse. L'enquête piétine. Quand 6 mois plus tard, une famille qui habite à Albert, à quelques kilomètres de là, est témoin d'une scène étrange sur une petite route du coin. La route de Dernancourt, à Buire-sur-Ancre, à 30 kilomètres de Péronne. Il est 23 heures, Nicole Mroz rentre chez elle. J'étais avec ma fille en voiture et on rentrait sur Albert. Et sur la route entre Buire et Dernancourt, on a rencontré une personne en vélo. Moi, sur le coup, je pensais que c'était un garçon. Et ma fille m'a fait la remarque que c'était une fille, parce qu'elle avait un sac à main sur elle. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait celui-là, puisque j'avais cru un garçon, sur cette route-là, à cette heure-ci. Nicole Mroz est surprise. La cycliste pédale très vite. Un quart d'heure plus tard, son gendre emprunte la même route. J'arrive à la sortie de Buire et à peu près à 50-100 mètres de la voiture, je vois des petites lumières de pédale quoi, sur la route. Alors je ralentis, je m'arrête pas, je ralentis, je regarde et je vois un vélo. Un vélo abandonné dans un champ. Arrivé chez ses beaux-parents, il raconte. Et tout le monde fait le lien. Tous ensemble, on pense que peut-être ça pourrait être quelqu'un qui aurait été renversé, que ça peut être la personne qu'on a croisée et qu'elle peut avoir été renversée probablement par une voiture. Le gendre et le mari de Nicole Mroz décident alors de retourner dans le champ. Mais sur place, aucun blessé, pas de trace d'accident. On regarde, le vélo, il n'a aucun nu au vélo. Le vélo, il n'était pas esquinté, il n'y avait pas de coups sur le vélo, il n'y avait rien. Donc, on est sorti assez rapidement du champ. Et de là, j'ai dit à mon beau-père, il faut aller à la gendarmerie et prévenir, j'ai dit, parce que c'est quand même pas normal. La famille Mroz se rend à la gendarmerie et fait part de ses inquiétudes. Mais c'est assez maigre. Et pour l'instant, ça ne convainc pas trop les gendarmes. Deux jours plus tard, le 8 juillet 2002, à Buire-sur-Ancre, on retrouve le corps d'une jeune fille dans un champ. Son corps était dissimulé derrière un ballot de paille, à peu près approximativement ici. On pense tout de suite à l'hypothèse d'un acte criminel pour des raisons sexuelles. Hein, vu l'état qu'on la découvre, elle était dénudée, les sous-vêtements abaissés jusqu'aux genoux, le soutien-gorge remonté. Et aussi les traces de chevauchement qu'elle porte sur le dos laissent à penser qu'elle est écrasée lorsqu'elle était dénudée. La victime s'appelle Patricia Leclerc. Elle a 19 ans. Elle avait disparu 2 jours plus tôt, après son travail. C'est le monsieur de la DAS qui a appelé en disant que... qu'ils avaient retrouvé Patricia, donc moi j'étais contente. Puis c'est là qu'il m'a dit, oui mais madame, nous avons trouvé Patricia, mais nous l'avons reconnue par les vêtements. J'ai dit, c'est pas possible, je ne faisais pas me dire qu'elle est décédée, elle me dit si. Alors là, je suis devenue folle, j'ai hurlé dans tout l'appartement, j'ai couru dans tout l'appartement, j'étais comme folle. Je pouvais pas le croire. Patricia est morte alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Quand elle comprend qu'il s'agit de la cycliste aperçue 2 jours plus tôt, la famille Mroz est bouleversée. Ma mère me réveille, il était 11 h du matin à peu près, et elle me dit qu'ils ont retrouvé la fille, quoi.
Donc là, c'est l'effondrement, quoi. Des dizaines de gendarmes sont mobilisés. Après Elodie, Patricia est la deuxième fille assassinée en 7 mois dans la région. Et les ressemblances entre les deux meurtres sont troublantes. Patricia, apparemment, elle a été bloquée sur son vélo, tandis qu'Elodie, elle, elle a été enlevée. Est-ce qu'elle a fait l'objet d'une poursuite par des auteurs? Mais elle a été enlevée, ça c'est sûr, à proximité de son véhicule qui a été retrouvé dans le champ. Donc c'est quand même des similitudes importantes qui ne trompent pas. Les deux meurtres ont eu lieu dans un périmètre qui est relativement restreint. Perron-Albert, c'est pas très loin. Et deux jeunes filles, seules, qui sont toutes les deux victimes de violences assez importantes. Donc on commence sérieusement à se poser des questions et à se demander quand même s'il n'y a pas dans un coin de Picardie quelqu'un, une ou des personnes qui s'attaquent aux jeunes filles seules. Patricia, elle est au travail tous les jours, à vélo. Un job d'été dans un fast-food à Albert. Elle voulait prendre son indépendance et quitter la famille d'accueil où elle avait été placée, enfant. C'était pour se faire un petit peu d'argent pour pouvoir assumer pour elle quand elle aurait l'appartement. Ou passer son permis, parce qu'elle avait envisagé aussi passer son permis. Son corps a été retrouvé dans un coin isolé de la campagne picarde. Comme celui d'Elodie. Des coins qu'il faut connaître. Le ou les meurtriers sont probablement de la région. Les gendarmes réinterrogent alors la famille Mroz. Cette femme et son gendre qui semblent les dernières personnes à avoir vu Patricia vivante. Nicole Mroz explique aux gendarmes qu'elle a vu une voiture garée sur la route quand elle a croisé Patricia. J'ai vu un dos blanc, j'ai vu comme quelqu'un qui serait allongé dans une voiture. Moi, j'ai pensé à des jeunes qui s'étaient arrêtés là sur le côté, mais sans plus. On a un véhicule sombre, avec avec une masse à l'avant. Est-ce qu'ils étaient un chauffeur, un couple? Ça, pour l'instant, le seul élément qu'on a matériel de départ, c'est ce véhicule. Ça fait quand même pas beaucoup d'indices pour démarrer cette enquête. Avec en main ce seul élément, les gendarmes vont entendre plusieurs dizaines d'hommes connus pour délinquance sexuelle. On leur demande leur emploi du temps, ce qu'ils ont fait exactement au cours de cette soirée du 6 juillet. Et puis on vérifie bien sûr leur alibi. Et on leur demande également leur moyen de locomotion, qui est quand même important, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme véhicule. Si c'est un véhicule blanc, si c'est un petit véhicule, une petite cylindrée, c'est déjà, ça ne correspond pas trop au témoignage. Par contre, si c'est un véhicule foncé, grosse cylindrée, c'est quand même un élément qui est en plus intéressant. Mais ça ne donne rien. Les résultats sont négatifs, quoi. Parce que les alibis qui sont fournis par ces personnes qui sont entendues au fur et à mesure, elles sont vérifiées, bien entendu. Et quand c'est vérifié, on écarte cette hypothèse. Les gendarmes n'ont aucun suspect. Quand 6 semaines après le meurtre de Patricia, le cauchemar recommence. Le 21 août, je suis en reportage et j'ai un appel sur mon téléphone qui me dit textuellement, il y en a une troisième. Le corps d'une troisième jeune femme a été retrouvé hier dans le département de la Somme, près d'Amiens. Très vite, il y a un très gros dispositif de gendarmerie qui se met en place. Un hélicoptère dans le ciel, des gendarmes en treillis qui ratissent les lieux. À Villers-Bretonneux, à 15 km du champ où on a retrouvé Patricia, les gendarmes viennent de découvrir le corps d'une troisième jeune fille sous une camionnette qui venait d'être volée. Le corps de la victime est en position allongée, en partie sur le dos, avec un bras, il me semble que c'est le bras droit qui est remonté. Il y a une trace quand même de coupure sur l'avant-bras droit, ça c'est un geste d'autodéfense.
La gamine a certainement voulu se protéger de son agresseur. La victime s'appelle Christelle Dubuisson. Elle a disparu la veille au soir alors qu'elle rentrait à pied chez son père à Villers-Bretonneux. Ben, on est abattu, on comprend pas ce qui nous arrive, quoi. Pourquoi avoir commis un tel acte? Donc c'est très douloureux. C'est un passage catastrophique. Christelle, Patricia, Elodie, trois jeunes filles assassinées sur les routes de la Somme en seulement 8 mois. Ça peut être effectivement le tueur solitaire qui a son terrain de chasse dans ce créneau-là et qui attend. Qui attend la nuit, il cherche sa proie et dès qu'il a l'opportunité de passer à l'acte, il passe à l'acte. Péronne, Albert, Villers-Bretonneux, on parle bientôt du triangle de la mort. C'est là, c'est tout proche, ça peut arriver à nos gamins, à notre femme, on va même plus oser sortir si ça continue à ce tarif-là. Ça pourrait être moi, ça pourrait être des copines, ça pourrait être n'importe qui. Quoi. Justement, j'ai ma petite fille qui est en vacances. Tout à l'heure, j'étais le rechercher, je veux pas qu'elle traîne. Il y a la psychose, est-ce qu'il va y avoir un quatrième meurtre? Les filles de la région n'osent plus sortir seules. Avant, je partais sur Corby, je suis déjà rentrée vers 4h du matin en scout ou un truc comme ça, mais là, fini. Quoi. Même en voiture, les conductrices paniquent. Chaque automobiliste devient potentiellement le tueur de la Somme. Un véhicule qui vous cite trop près, alors que la personne, simplement conduit, mais effectivement, est occupée, ne fait pas attention et s'approche trop près. Ou un petit appel de phare pour signaler, et tout de suite, c'est la panique, quoi. Les gendarmes quadrillent la région pour rassurer la population et tenter de décourager le ou les meurtriers. Vous avez des patrouilles qui sont mises en place la nuit dans les secteurs sensibles, bien sûr, en l'occurrence, là, sur Corby, Albert, Villers-Bretonneux, tout notre secteur. Et il y a des contrôles qui sont effectués sur la route, bien sûr, tous les véhicules qui peuvent être suspects. Alors, en l'occurrence, à ce moment-là, nous, il y avait les 406, il y avait des fourgons, parce qu'il y a un fourgon qui avait été vu aussi. Donc, tous ces véhicules qui circulent la nuit ont été contrôlés, quoi. Jean-Philippe Vicentini, à l'époque, vous êtes procureur de Péronne et vous allez prendre en charge les deux premiers dossiers, le meurtre d'Élodie Kulik et celui de Patricia Leclerc. Et vous ne vous occuperez pas du dossier de Christelle Dubuisson. Néanmoins, quand vous apprenez la mort de Christelle Dubuisson, est-ce qu'il vous apparaît que tout ça fait un tout ? Très vite, dans l'analyse du dossier, il me semblait que le premier crime ne pouvait pas être commun aux deux suivants, donc nous avons très vite décidé de ne pas regrouper les dossiers parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour penser qu'un seul auteur pouvait avoir commis ces trois crimes. Évidemment, ce qui les différencie, c'est notamment le mode opératoire. Le corps d'Élodie Kulik a été carbonisé, ce qui n'est pas le cas des autres corps. Absolument. Au cas où, vous allez rester en contact avec votre collègue Damien qui s'occupe de l'affaire Dubuisson ? Absolument, on est en contact en permanence puisque le crime commis sur la petite Dubuisson n'est qu'à quelques kilomètres de notre ressort. Donc l'hypothèse que les trois dossiers n'avaient pas un auteur unique était une hypothèse de travail. On pouvait effectivement se tromper. Donc il était important de garder un contact sur les trois dossiers parce que peut-être effectivement la suite nous aurait donné tort. Le 25 août 2002, une marche silencieuse est organisée à la mémoire de Christelle, la troisième victime. Dans la campagne picarde, c'est un cortège funéraire silencieux. En tête, Nathalie et Tiffaine portent une petite photo toute simple de Christelle. Derrière, on a apporté des fleurs, on se tient par la main, on se serre par le bras, comme les obsèques d'une famille qui entoure le père de Christelle au milieu d'eux. Et les frères.
C'était important pour Christelle et aussi pour sensibiliser les gens qui auraient pu voir ou qui pourraient parler, qui pourraient dire quelque chose à ce moment-là, que ça puisse créer l'émotion, le soutien dans le cœur de chacun et que les gens prennent conscience que ça peut arriver à tout le monde. C'est ici que l'on a retrouvé le corps de Christelle. La peine. Souhaiter qu'on la retrouve ceux qui l'ont fait ça. Puis qu'ils soient punis sérieusement. Christelle, c'était quelqu'un de fonceur qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Elle avait plein d'idées, plein d'ambitions. Elle souhaitait passer des diplômes pour se lancer dans la coiffure, dans l'esthétique, tout ce qui touche à l'image de la personne. Christelle avait une histoire personnelle un peu difficile. À l'adolescence, elle avait été placée en foyer avec ses frères et ses sœurs. Et puis, elle était retournée vivre chez son père et elle avait changé. C'est une jeune fille qui est seule, qui a mal démarré dans la vie. Toutes ses amies que j'ai pu rencontrer à l'époque le diront, qui a brutalement changé. Elle va fuguer, elle va monter dans les trains sans ticket, elle va se faire interpeller en gare d'Amiens, elle va être ramenée au commissariat de police d'Amiens. Un officier de police l'interroge, elle lui saute à la gorge. À l'époque, personne ne comprend vraiment ce qui se passe dans la tête de Christelle. On la croit souvent sur la route de Villers-Bretonneux, seule, en pleine nuit. Elle fait des kilomètres à pied pour rentrer chez elle. Mais ses proches sont formels, elle n'aurait jamais suivi un inconnu. Elle était plutôt méfiante. Elle aurait préféré finalement rentrer à pied que de monter avec un inconnu qui se promenait seul dans un véhicule en pleine nuit. Quelqu'un qu'elle connaissait pas, elle serait jamais montée. C'était pas envisageable. Christelle, il te faudra toute l'aide de Dieu et aussi toute celle d'Élodie et de Patricia. La famille d'accueil de Patricia Leclerc et le père d'Élodie Kulik sont là le jour des obsèques de Christelle. Je tenais à montrer aux tueurs que si eux continuent, moi je continuerai aussi. Je serai derrière eux. Tous les soirs, il fallait qu'on donne un compte-rendu de ce qu'on avait fait dans la journée, de l'évolution de l'enquête. Et ce compte-rendu devait être fait donc, à la direction de la gendarmerie, qui, à l'époque, devait rendre compte également au ministère de l'Intérieur, qui était M. Sarkozy. Le 4 septembre 2002, deux semaines après la mort de Christelle, Nicolas Sarkozy reçoit les familles des trois victimes, place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur leur promet des moyens d'investigation supplémentaires. Les gendarmes ont un espoir. Pour le meurtre de Christelle de Buisson, ils ont un élément important. La camionnette sous laquelle on a retrouvé son corps. C'est une camionnette volée qui porte de nombreuses traces de sang. On s'est dit, on a un élément avec lequel on va pouvoir travailler. Recherche d'empreintes, recherche d'ADN. On s'est dit, on va voir quelque chose. Tout ce qui pouvait être démonté, le volant, le tableau de bord, tout ce qui pouvait être démonté, c'était démonté. Rien. Rien. Comme si le meurtrier avait pris le temps d'effacer toutes ses traces. Mais il a peut-être laissé son ADN sur les vêtements de Christelle. Ils sont analysés à Nantes, à l'Institut français des empreintes génétiques. Mais une fois de plus... C'est l'ADN de Christelle. Là encore, sur des zones de lutte, poignets, les épaules, le col, puisqu'effectivement il y a eu lutte dans ce fourreau, nous n'avons aucune trace biologique étrangère à la victime.
Là, effectivement, on se dit l'agresseur s'est protégé, il avait des gants, est-ce qu'il avait une cagoule ? Ces éléments encore nous amènent à penser qu'il y a un maximum de protection, de précautions qui sont prises par l'agresseur. Les experts analysent aussi les vêtements de Patricia Leclerc en les passant au crimscope, un faisceau lumineux qui permet de voir des traces invisibles à l'œil nu. Ils détectent des traces minuscules. La première chose qui nous a attiré l'œil, c'est des petites taches de sang sur la culotte de la victime, sur l'arrière de la culotte de la victime. Donc, on fait des prélèvements à cet endroit-là et on se rend compte qu'il y a certes du sang, mais aussi des spermatozoïdes. Et quand on extrait l'ADN de ces prélèvements, on obtient un mélange d'ADN, celui de Patricia Leclerc et une empreinte génétique masculine qui, à ce moment-là, est inconnue. Monsieur le procureur, un ADN inconnu a été retrouvé sur le corps de Patricia Leclerc. Donc vous pouvez le comparer à l'ADN retrouvé sur le corps d'Élodie Kulik. Ça donne quoi ? Ce ne sont pas les mêmes. Donc ça exclut totalement l'idée qu'un même homme aurait pu tuer Élodie et Patricia ? Ça ne l'exclut pas totalement, mais c'est un premier élément, effectivement, qui renforçait un petit peu l'hypothèse que nous avions au départ. S'agissant d'un viol, il peut y avoir des complices, il peut y avoir... Absolument. Le violeur peut ne pas être le tueur, etc. Absolument. Ouais, ça fait partie des hypothèses que vous... Tout à fait, mais encore une fois, aucune piste n'était fermée à ce stade. Simplement, on avait un certain nombre d'éléments qui nous permettaient de faire un certain nombre d'hypothèses, mais aucune piste n'était fermée à cette époque. L'ADN retrouvé sur le corps de Patricia Leclerc est immédiatement rentré au fichier, à la recherche d'un éventuel ADN semblable. Ça donne rien ? Pour l'instant, non. À l'époque, rien ne sort. Rien. Tous les hommes déjà entendus dans le cadre du meurtre de Patricia Leclerc sont donc reconvoqués cette fois pour un prélèvement génétique. Ces prélèvements sont ensuite comparés à l'ADN retrouvé sur les vêtements de Patricia. Et le 22 novembre 2002, ça match. C'était en fin de journée et j'avais un technicien qui était chargé d'analyser tous les individus qu'on avait à comparer. Et donc il arrive un soir en me disant « ça y est, j'en ai un, ça colle, c'est bon, ça colle ». Je dis « oui, super, bon, alors d'abord, on va vérifier ». Je fais réanalyser le prélèvement et effectivement, ça confirme le résultat. Donc là, on dit « ça y est, là on le tient, c'est son empreinte génétique et c'est Jean-Paul Lecomte ». Jean-Paul Lecomte. Un délinquant sexuel qui habite à quelques kilomètres du lieu du crime et qui vient de faire 13 ans de prison pour viol. Et ce Lecomte, les gendarmes l'avaient interrogé au tout début de leur enquête. Je suis surpris, je ne m'attends pas à ce que ça soit lui. Je veux dire, bon, c'est les enquêteurs qui me disent c'est Lecomte. Et effectivement, je dis Lecomte. Jean-Paul Lecomte avait été entendu 9 jours seulement après le meurtre de Patricia. Il était sorti de prison 2 mois plus tôt. Un gendarme était allé le voir, chez lui. Jean-Paul Lecomte est dehors, en train de nettoyer sa Scorpio. Je lui dis, bon, allez, je prends, je m'arrête, et je vais le voir, je vais le rencontrer. Je dis, et tout de suite, il me dit, ah bah j'attendais votre venue, je m'attendais à vous voir. Alors c'est vrai que sur le coup, je suis un peu surpris, mais il me dit, non, il me dit attendez, je suis connu pour mœurs, je sors de mes arrêts d'arrêt, j'habite dans la région, donc je savais que vous alliez venir me voir. Ce jour-là, Lecomte était venu à la gendarmerie pour un interrogatoire plus poussé. Et ce jour-là, il n'avait pas l'allure d'un assassin. On sentait qu'il craignait rien. Je dis, mais en tout état de cause, si moi j'ai besoin de vous prélever, il m'a dit, aucun problème, vous m'appelez, je viens tout de suite, ça me pose aucun problème. Rassuré, les gendarmes avaient donc laissé repartir Jean-Paul Lecomte. Aujourd'hui, ils comprennent qu'il les a bernés. Croyez-moi, quand on a appris la nouvelle, on se dit, oui, effectivement... On l'a eu entre nos mains, et puis, en plus, il a entendu, le 16, il recommence à tuer, en sachant qu'il peut subir un prélèvement ADN. Si on aurait pu l'arrêter avant, croyez-moi,
on l'aurait fait, et puis moralement, ça m'aurait fait du bien aussi. Jean-Philippe Vicentini, on s'aperçoit a posteriori que, après la mort de Christelle, que les gendarmes avaient eu le compte en main. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut se replacer effectivement un peu dans la chronologie des faits. Une fois qu'on connaît effectivement la vérité judiciaire, c'est toujours beaucoup plus facile. Au moment où on convoque Jean-Paul Lecomte, on aurait pu penser que, se voyant convoqué par les gendarmes, il allait se sauver, il allait tergiverser pour venir, mais pas du tout. Il vient à la bonne date, il se laisse prélever, et il ne changera absolument rien à son mode de vie, ne fuira pas derrière. Donc là encore, aucun élément qui peut entraîner une suspicion à cette époque. Rien, si ce n'est le hasard, fait rentrer Jean-Paul Lecomte dans ce dossier. À l'époque, finalement, il n'est que un parmi des centaines de personnes suspectées à un moment donné, quoi. Absolument, et que rien, absolument rien, ne rattache directement à la scène de crime. Alors je suppose que parmi vos préoccupations, il y a aussi l'envie de vérifier si Lecomte peut être l'assassin d'Élodie Kulik. Comment est-ce que vous procédez et à quelle conclusion est-ce que vous arrivez ? Alors très vite, d'abord, nous avons vérifié effectivement que l'ADN n'était pas commun, mais vous avez raison, ce n'était pas une preuve suffisante. Simplement, nous avons vérifié si au moment du crime commis sur Élodie Kulik, Jean-Paul Lecomte était encore incarcéré, et c'était effectivement le cas. Il était en prison ? Il était en prison. Il n'avait pas de permission, c'est sûr ? Absolument. Jackie Kulik, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous apprenez que, bon voilà, on vient de trouver le violeur, le meurtrier de Patricia, mais que c'est pas l'assassin de votre fille? Oui, bah écoutez, je me dis, dommage, hein, parce que dommage pour moi, mais bon, j'étais quand même content de voir qu'on a trouvé. Et je me dis, bon bah si on l'a trouvé pour un, si on l'a trouvé pour deux, on va trouver pour le troisième. Et c'est une question de temps. C'est une question de temps pour moi, mais bon... Vous avez cherché à enquêter, vous, de votre côté, sur Lecomte ? Le jour où on arrête Lecomte, j'apprends ça sur une onde de radio et deux heures après, je suis à Méholt. Hein. Pour vous, il est impossible de ne pas y aller, là, sur place ? Ah oui, il fallait y aller, il fallait que j'aille voir. Il fallait que j'aille voir dans quel milieu il vivait et puis voir par rapport aux endroits où les trois crimes ont été commis. Le 25 novembre 2002, Jean-Paul Lecomte est arrêté à Méholt, chez sa grand-mère, chez qui il vit. On l'a accueilli au saut du lit, comme on dit, hein, et puis il a eu peur. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait. Sa grand-mère est là, bien sûr, donc elle est avisée que les raisons pour lesquelles on vient de chercher. Donc bien entendu, elle n'y croyait pas. Elle dit c'est impossible, mon petit-fils n'a pas tué cette fille, c'est pas possible. Voilà, elle n'y croyait pas. Non, c'est pas le vivant là, non. Et on s'est trompé. Ils ont ramassé tous les couteaux, toutes les affaires qu'ils ont pris plein et puis parti avec. Pouvoir tout vérifier, puis toutes les devantures qu'ils ont pris pour vérifier. Et pouvoir vérifier, voilà. Mais c'est pas lui qui a tué la fille. Sa grand-mère n'y croit pas. Et c'est bien normal. Elle s'occupe de lui depuis qu'il est bébé. Elle l'a récupéré à l'âge de 4 mois quand les parents de Jean-Paul Lecomte, débordés, ne pouvaient pas s'en occuper. Jean-Paul a vécu toute son enfance chez ses grands-parents. À l'école de Méholt, on se souvient bien de lui. C'était en classe un élève très agréable, très sage, très agréable. Mais dès qu'il n'était plus dans ma présence, il faisait bêtise sur bêtise. Et surtout, il était méchant avec ses camarades. C'était un enfant assez sournois. En récréation, par exemple, hein, il a emmené les plus petits, les plus faibles dans le préau, dans un coin que je ne pouvais pas voir, et puis il les battait. Hein, c'était toujours la bagarre, et c'était toujours Jean-Paul. Madame, Jean-Paul est en train de frapper un tel. Jean-Paul ceci, Jean-Paul cela. Loin de ses trois frères et de ses parents, Jean-Paul a été élevé par ses grands-parents, comme le fils qu'ils n'ont jamais eu. Il était choyé. Écoutez, Jean-Paul ne pouvait rien faire de mal. C'était jamais Jean-Paul. Le grand-père lui pardonnait tout, l'excusait pour tout. Les grands-parents faisaient tout pour lui. À 14 ans, lui achetait une mobilette. Enfin, tout ce qu'il voulait, il l'avait.
Jean-Paul était tellement gâté que ses parents n'ont jamais réussi à le récupérer. Aux gendarmes, la mère parle ainsi de la grand-mère. Pour moi, elle se considérait comme la propre mère de Jean-Paul. Quand j'ai essayé de le récupérer, à chaque fois, je me suis heurté à un refus de mon fils. Auprès de ma mère, il avait ce qu'il voulait. Et quand Jean-Paul Lecomte passait de rares moments avec ses parents, c'était pour jouer avec leurs nerfs. C'est un épisode où ils sont partis voir la mer et il y avait des falaises. Et il a fait semblant de tomber de la falaise et il a hurlé. Donc les parents ont cru qu'il était tombé réellement de la falaise. Et en fait, il a fait semblant. Donc quand il est réapparu, on se dit, mais pourquoi faire une telle peur à ses parents? Et à l'époque, il devait avoir 13-14 ans. Donc on sent déjà qu'il a envie de faire payer quelque chose. Adolescent, Jean-Paul Lecomte multiplie les délits, les vols, les escroqueries. Et c'est un bagarreur. Jeune adulte, il devient un agresseur sexuel. 1989. Jean-Paul Lecomte a 23 ans. Il travaille peu et vit chez ses grands-parents qui l'entretiennent. La majeure partie de son temps, il traîne en ville, son terrain de chasse. Il commence à agresser des femmes dans la région d'Albert. Toujours de la même façon. Au départ, il y a un alibi. Il demande soit une réparation, soit une aide, soit un renseignement. Et là, il passe à l'acte, quoi. Soit sous la menace, voire même d'un tournevis. Avec plus ou moins de violence suivant le rapport qu'il a avec sa victime. Mais à chaque fois, il arrivera à faire accepter ce qu'il voulait. Lecomte bascule dans la délinquance sexuelle. Un soir de 1989, à 23 ans, il agresse plusieurs femmes dans la même soirée. En quelques heures, il a, je ne sais pas ce qui lui a passé, mais il est devenu méchant, enragé, au point de commettre trois agressions. Parmi ses victimes, une petite fille de 8 ans, Amélie. Comme d'habitude, Jean-Paul Lecomte a trouvé un prétexte pour gagner sa confiance. Je rentre à la maison, mes parents avaient un peu de retard, donc j'arrive à la maison, je me retrouve tout seul, donc j'attendais. Et donc d'un seul coup, je vois une voiture s'arrêter devant la maison, devant la barrière. Donc il se présente, il fait bonjour, je suis le frère de ta meilleure amie. Donc elle a un petit souci, elle ne comprend pas l'exercice. Donc est-ce que tu peux venir l'aider à la maison et puis après je te ramène. Il fait, il n'y en a pas pour longtemps, 10 minutes, un quart d'heure. Il faisait pas peur, quoi. Il avait pas un regard agressif, il y avait rien de tout ça, quoi. Et souriant, poli. Donc, et de là, j'ai pas pris peur. Amélie est montée, confiante. Mais au bout de quelques minutes, Jean-Paul Lecomte a changé de direction. Là, il a commencé à me dire on va pas chez ta meilleure amie, on va chez ma grand-mère. Et là, toujours avec mon zizi, les mots pour mots, ce qu'il m'a dit. Je voulais descendre, donc je me suis mis à pleurer. Et là, il me disait, il fait, si tu arrêtes pas de pleurer, si tu fais pas ce que je te dis, je t'emmènerai plus loin et ce sera encore pire. Pourquoi je suis montée? Qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents? Le mal que je vais faire, quoi, c'est... Est-ce que je vais m'en sentir indemne aussi? C'est l'angoisse, la peur. Quelques kilomètres plus loin, Lecomte s'arrête sur un petit chemin de campagne. Il est violent, il me prend par force, par le cou, pour m'abaisser, pour me forcer à faire ce qu'il voulait, quoi, à obtenir son désir. Et de là, il me force et il me tient jusqu'à temps qu'il a son but, quoi. Quelques minutes plus tard, Lecomte abandonne Amélie sur le bord de la route. Il déverrouille les portes de la voiture et il me dit, va-t'en, allez, dégage. Donc de là, je suis sortie en courant. J'ai couru le plus vite possible et après, il est passé à côté de moi avec sa voiture. Bon.
après, lui, il a pris un autre chemin et moi, je suis repartie chez... dans mon village. La petite fille est recueillie par une automobiliste qui l'emmène tout de suite à la gendarmerie. Jean-Paul Lecomte est arrêté 2 semaines plus tard, alors qu'il est en cavale, en Alsace. En garde à vue, il est confronté à Amélie. Elle le reconnaît formellement. Ça a été instantané, quoi. Dès que j'ai vu son regard, je savais que c'était lui par rapport aux autres. C'était lui. Ça pouvait pas être un autre. Il y avait que lui qui avait le regard, là. Aucun regret il avait dans son regard. Pour lui, c'était normal ce qu'il avait fait. À l'époque, le comte a une relation avec une jeune femme de 20 ans, à qui il fait subir aussi des violences sexuelles. C'est un homme qui a un gros trouble de la sexualité et qui a besoin, pour éprouver un minimum de plaisir, d'abord de rapports essentiellement par fellation, et puis ensuite d'être dans la toute-puissance face à l'autre. Et lorsque sa compagne lui refuse une fellation, le comte n'hésite pas à lui vider une bombe de gaz lacrymogène au visage. Elle va vivre des choses qui sont absolument horribles, hors normes. Et là, on commence à voir apparaître l'aspect pervers de Lecomte. Ce plaisir qu'il prend à infliger la souffrance à l'autre. Bien sûr qu'il aime humilier les femmes. Mais là, on revient toujours à son histoire personnelle. Donc, une mère qui l'abandonne, donc il faut que je le fasse payer. Je le fasse payer à qui ? Ben, à celle qui m'a fait du mal, à savoir ma mère, donc à travers les femmes. Je fais payer à ma mère ce que j'ai vécu enfant. Identifié par toutes ses victimes, en garde à vue, Jean-Paul Lecomte ne craquera jamais. Il nie l'évidence. Il nie l'évidence, c'est faux, c'est pas possible que ce soit lui. Et on s'est dit, nous, ce type-là, il recommencera. Si un jour il est en liberté, il recommencera. Bon, alors Dominique Rizet, à quoi est condamné Lecomte pour cette série de viols ? Il est condamné, Christophe, à 17 ans de réclusion criminelle. Cette condamnation, elle est prononcée pour le viol de la petite Amélie, qui a 8 ans, donc c'est une mineure de 15 ans. Pour 2 autres affaires, un viol sous la menace d'une arme, une tentative de viol sous la menace d'une arme, et encore 2 histoires de violences volontaires commises, là encore, avec une arme. 17 ans, il va en faire 13. Il sort en 2002. Donc 17 ans de condamnation, 13 ans de prison effectuée, il n'a pas eu de traitement de faveur, quoi. Non, il a bénéficié du système automatique des remises de peine, classique, et il n'a eu aucun traitement de faveur de la part de la justice. Ce qui est intéressant, Christophe, dans ces années de prison, c'est ça. En 1999, Lecomte, alors qu'il est en prison, Jean-Paul Lecomte, demande une liberté conditionnelle. Point de passage forcé de la liberté conditionnelle, il y a la rencontre avec un psy, une expertise psychiatrique. D'accord. Et voilà ce que dit le psychiatre en 1999 de Jean-Paul Lecomte. Il dit que Lecomte est une personnalité éminemment perverse, ouvrez les guillemets, pervers au sens de déviation sexuelle, chez qui l'ensemble des passages à l'acte sexuel obéit à la même dynamique pulsionnelle et instinctuelle. Chez lui, le remords est absent, chez lui, la culpabilité est absente, et c'est intéressant parce que le psychiatre dit que ça conduit à une répétition très rapide. Et la conclusion de l'expert, elle est importante, il dit que le risque de laisser sortir Lecomte, il est très très grand, parce que sa dangerosité en milieu libre est tout entière corrélée au risque de récidive en matière sexuelle. Voilà donc le début de l'histoire de la terrible dérive de Jean-Paul Lecomte. Là, il vient d'être arrêté pour un meurtre, celui de Patricia Leclerc. On est le 25 novembre 2002, Lecomte est placé en garde à vue à la gendarmerie de Péronne. Il n'y a rien à voir, je ne suis pour rien dans cette histoire. À la gendarmerie, les enquêteurs pressent Jean-Paul Lecomte de s'expliquer sur sa soirée du 6 juillet, jour de la disparition de Patricia. C'est un futé. Déjà, quand il posait une question, avant de répondre, il réfléchissait.
Donc, bien analyser la question et prenait son temps et y répondait comme il fallait. Sur le soir du meurtre, le comte affirme qu'il a juste fait un tour en voiture dans la campagne, mais il ne veut pas rentrer dans les détails. Par contre, après, quand il y avait des questions gênantes, lorsqu'il était un peu coincé, là, il se fâchait. C'est arrivé plusieurs fois au cours de la garde à vue qu'il s'est levé en étant menaçant, en disant que c'est pas moi, il voulait plus parler. Comme en 1989, Jean-Paul Lecomte nie. Alors que cette fois, l'ADN le désigne. Il nous avait fait une grande théorie durant sa garde à vue, comme quoi l'ADN qui avait été retrouvé sur Leclerc Patricia, il y avait une chance sur 1 milliard, parce qu'il avait lu dans des bouquins comme quoi l'erreur était possible. Et là, c'était l'erreur. Il ne bougera pas. Il n'y est pour rien. Et il va même plus loin. C'est au bout de, je dirais même quasiment à la fin de sa garde à vue, où il nous demande une contre-expertise d'ADN, mais de son sperme. Après, malgré de nouvelles analyses et une contre-expertise qui l'accable à nouveau, Jean-Paul Lecomte s'est arc-bouté cet après-midi sur ses positions. Oui, est-ce que vous maintenez vos... Vous continuez de nier ? Oui. Pourtant, l'ADN a parlé. Je vais rester avec mon avocat, il y a encore des problèmes. L'ADN, c'est une preuve. Non. Malgré tout, Jean-Paul Lecomte est mis en examen pour le meurtre de Patricia Leclerc. Et maintenant ? Si on parlait du meurtre de Christelle Dubuisson. Jean-Paul Lecomte est à nouveau placé en garde à vue, puisque tout le monde pense maintenant à lui dans l'affaire Dubuisson. Mais il se moque ouvertement des gendarmes. Quand j'ai montré la photo de l'autopsie, il a souri. Comme s'il en prenait un plaisir, on le regardait. Il a souri. Pour le meurtre de Christelle, les gendarmes ont une carte maîtresse. La camionnette sous laquelle on a retrouvé son corps. Les gendarmes savent qu'elle a été volée à Bucquois, dans le Pas-de-Calais, sur le parking d'une entreprise de BTP. La veille du meurtre, un voisin a été témoin du vol. Il sort de chez lui pour fermer ses volets. Il voit un sigmotoriste arriver, rentrer dans la cour de la société de Lambre. Et puis il voit ce même individu au volant du fourgon, repartir, mais là, dans l'autre direction, dans la direction du centre de Bucquois. Les enquêteurs sont persuadés que cet individu, c'est Jean-Paul Lecomte. En perquisitionnant chez lui, il retrouve un cyclomoteur qu'il présente immédiatement aux témoins du vol. Nous avons demandé aux témoins de ne pas regarder. Pas regarder ce qui se passait. Et on a fait passer les cyclomoteurs. Et à un moment donné, il nous a dit, s'il y en a un, c'est celui-là. Donc là, on avait un témoin, c'était quand même important qu'il reconnaisse déjà le bruit et qu'il reconnaisse le cyclomoteur. Confronté à cet élément à charge, Lecomte a une parade. Il prétend que sa mobylette était en panne le jour du vol de la camionnette de Bucquois. Jean-Paul Lecomte, sur ce point du cyclomoteur, va dire « il ne fonctionne pas ». À la limite, Jean-Paul Lecomte peut parfaitement dire « j'ai un cyclomoteur, je l'ai réparé à ma sortie de prison, je l'utilise de temps en temps ». Ça n'établit absolument pas sa culpabilité dans le dossier de Christelle Dubuisson. Mais il va mentir sur quelque chose qui est complètement anodin. Il est verbalisé pour un défaut d'assurance par un gendarme à une trentaine de kilomètres. Donc ça veut dire que le cyclomoteur, il sort et que le cyclomoteur, il fonctionne. Alors Dominique Rizet, un autre élément va enfoncer Lecomte, c'est l'expertise de son cyclomoteur. Oui Christophe, on va expertiser son cyclomoteur, on va demander à un expert du bureau de recherche géologique et minière de faire des prélèvements de terre qui se trouvaient sur les pneus du cyclomoteur et de comparer cette terre à celle du parking de la compagnie de travaux publics sur lequel était la camionnette blanche qu'on va voler
et sous laquelle on va retrouver le corps de Christelle Dubuisson. Alors, résultat de cette expertise, trois points. L'expert dit d'abord que on trouve dans une terre comme dans l'autre, celle du pneu, celle du parking, les mêmes éléments naturels, des quartz, des feldspaths, des carbonates, ce sont des constituants du sol en général. On y trouve aussi des éléments qui sont beaucoup plus rares et qui sont vraiment la signature de la terre qu'on retrouve à Bucois, le village où se trouve l'entreprise de travaux publics. On trouve des schistes noirs et rouges, des grains charbonneux. Et puis, on retrouve encore, et là c'est vraiment l'élément confondant pour le comte, on retrouve sur la terre du pneu comme sur la terre du parking des esquilles métalliques et des éclats de peinture, et ça ne peut provenir que de l'entreprise. Et ça veut dire que le comte est allé avec sa mobilette sur le parking de l'entreprise. Et pour vraiment enfoncer le clou, eh bien, les gendarmes vont aller questionner ceux qui ont fabriqué le parking, les ouvriers, et leur demandent si le matériau utilisé pour la construction du parking, c'est un matériau qu'on utilise couramment. La réponse est non, on ne l'utilise pas pour fabriquer les routes de la région, on ne l'utilise pas chez les particuliers. Donc malgré tous ces éléments accablants, le comte continue à nier. Mais ça n'empêche pas le juge, maintenant il a suffisamment d'éléments, de le mettre en examen pour le meurtre de Christelle Dubuisson. Quelques jours plus tard, coup de théâtre. Les experts informent les gendarmes qu'un ADN a finalement été identifié sur les sous-vêtements de Christelle. Une trace de sperme qui n'est pas celle de Jean-Paul Lecomte. Elle nous informe qu'elle a mis en évidence une trace de sperme de M. Pierre Dubuisson, donc le père de Christelle Dubuisson. C'est un choc. Parce que le comte est déjà arrêté. Et là, il y a une difficulté, bien évidemment. Au-delà de la difficulté pour comprendre ce qui a bien pu se passer entre le père et la fille, c'est derrière ça, il y a la question du meurtre de Christelle. Imaginez-vous un instant, le raccourci saisissant, on retrouve l'ADN du père sur la culotte de la petite et on retrouve la petite à quelques centaines de mètres du domicile paternel. Pierre Dubuisson est aussitôt placé en garde à vue. Il est désormais soupçonné d'avoir abusé de sa fille avant de la tuer. Mais il refuse de s'expliquer, ce qui accroît les soupçons. J'ai eu le doute parce que je me suis retrouvé presque face à Lecomte. C'est-à-dire, Lecomte ne parlait pas. Mutisme. Dubuisson, pareil. Sauf qu'il y a un élément objectif. Pierre Dubuisson n'est pas titulaire du permis de conduire. C'est un homme qu'on n'a jamais vu au volant d'une voiture. C'est un homme qui n'est pas connu pour conduire sans permis. Aller voler une camionnette à Bucois, la ramener à Villers-Bretonneux et donner la mort à sa fille, ça paraît incohérent. Mais pour être innocenté du meurtre, Pierre Dubuisson doit dire la vérité sur ce qui s'est passé avec Christelle. Son avocat le lui conseille fermement. Il faut lui rentrer dedans, c'est un homme qui ne peut pas avouer, c'est pas possible. C'est pas possible et il faut cogner très fort. Ça criait fort, on était dans le couloir, à tel point qu'on était prêt à intervenir. Je demande si on n'a pas ouvert la porte, on a frappé ou ouvert la porte pour savoir si tout se passait bien. Il faudra attendre la dernière heure de la garde à vue pour que Pierre Dubuisson craque. Elle dira qu'il y a eu un certain nombre de gestes qui ont entraîné les traces ADN qu'on va retrouver sur les sous-vêtements de Christelle. Il y a eu des actes qui sont des actes à connotation sexuelle. Et on se dit que cette gamine-là n'a vraiment pas eu de chance. Elle a eu de chance dans son enfance, vivre de foyer en foyer. Sa majorité veut revenir chez sa mère qu'elle est rejetée. Elle vient chez son père et là, elle est abusée sexuellement. On se dit que cette gamine-là n'a vraiment pas eu de chance. On comprend tout de suite beaucoup mieux comment Christelle a pu changer. Comment Christelle a pu devenir de la petite fille, de la jeune fille mignonne, qui faisait attention à ses habits, qui rêvait d'être coiffeuse, comment elle a pu passer à quelqu'un qui disait plus rien, qui était agressif. Les frères et sœurs de Christelle encaissent le choc.
C'était déjà assez douloureux comme ça d'avoir à subir... comment dire... les choses dans la souffrance d'avoir perdu un être cher. Donc le fait d'ajouter toutes les choses de problèmes de situation familiale et sociale, c'était vraiment pas quelque chose auquel on avait besoin. D'ajouter ça, ça a été une douleur supplémentaire. Pierre Dubuisson n'a donc pas tué sa fille, mais il devra s'expliquer devant la cour pour les abus sexuels qu'il a avoués. Jean-Paul Lecomte, lui, doit maintenant répondre de deux meurtres. C'est d'abord celui de Patricia Leclerc qui est jugé devant les assises de la Somme. Amiens, le 31 janvier 2005. Jean-Paul Lecomte fait son entrée au palais de justice. La famille de Patricia Leclerc se retrouve pour la première fois face à lui. Je tremblais de tous mes membres, mais j'ai... C'était dur. Hein. Faut se contenir quand même. Hein. Bon, je l'ai fait pour Nénette. Et c'est dur. Jean-Paul Lecomte ne paraît pas troublé par leur présence. Au contraire, il les provoque. Il faisait des clins d'œil, il souriait, toutes des choses comme ça. Moi, quand je suis allé à la barre, par contre, là, il a rigolé. Parce qu'il aime voir les gens souffrir. Face à la cour, Lecomte continue de nier. Il ne reconnaît pas le meurtre, il ne reconnaît pas le viol. Pas du tout, pas du tout. Il n'a aucune façon participé au meurtre et au viol. Pourtant, c'est bien le sperme de Lecomte mélangé au sang de Patricia qui a été identifié par les experts. Mais Lecomte n'en démord pas, comme si il avait honte. Mais de toute façon, c'est pas son sperme. Ça, c'est sa fixation. Ce n'est pas mon sperme. Pendant la cour d'assises, c'est vrai qu'on est arrivé dans une situation aussi ridicule qu'elle soit, mais j'ai été obligée de dire, mais soit c'est le sang de Patricia Leclerc et le sperme de Jean-Paul Lecomte, soit c'est le sperme de Patricia Leclerc et le sang de Jean-Paul Lecomte. Mais il n'y a pas d'autre... possibilité. Donc c'est vrai que ça a été extrême comme propos, mais face à cette négation d'évidence, on est arrivé à ces extrémités-là. Sa grand-mère aussi, présente sur le banc, nie l'évidence. Elle ignore que le président de la cour détient un enregistrement secret d'une conversation avec son petit-fils. La grand-mère est assise. Parce qu'elle est âgée, donc elle est assise devant la barre des témoins. Et le président, et elle va dire au président, c'est pas mon petit-fils qui a fait ça. Et le président, il dit, madame, il vous l'a dit à vous. Mais non, il ne l'a jamais dit. Mais si, madame, il vous l'a dit à vous. Et le président va donc ordonner la diffusion de la bande-son. Une écoute clandestine, réalisée en prison lors d'un parloir entre Lecomte et sa grand-mère, et qui résonne dans la salle d'audience. Cette bande-son passe, donc il y a ce dialogue qui s'engage. On parle au début de choses classiques, hein, comment ça va, oui ça va, t'es pas malade, non ça va, je te remercie. Et puis, ça va venir dans la conversation, il va dire oui, c'est moi, il va dire mais c'est pas possible. Je l'ai tapé, confesse Jean-Paul Lecomte, à la stupéfaction de sa grand-mère. Elle va lui dire mais tu te rends compte, tu as tué une fille qui était comme toi. Elle aussi, elle était abandonnée. Elle aussi, elle était malheureuse. Et tu l'as tuée. Dans le box, Jean-Paul Lecomte s'entend avouer le meurtre de Patricia sur la bande-son. Mais lui ne change rien. Jamais il n'expliquera comment il a intercepté Patricia Leclerc ce soir-là, sur son vélo, ni comment il l'a tuée. Il ne dira pas s'il l'avait repérée avant. Au fur et à mesure des audiences, l'accusé donne de plus en plus l'impression d'un homme froid pour lequel l'autre n'est qu'un objet. Il dit qu'en prison, il a rencontré des gens qui se réclamaient du néo-nazi et ce qui l'attirait, ce qui le fascinait, ce qui le marquait chez eux, c'est au fond, comme dans des films qu'il évoque, c'est le fait de pouvoir... penser au mal, faire le mal et ricaner. Donc il décrit à un moment donné une scène où,
bon, quelqu'un est en train de tuer quelqu'un ou de le martyriser, et puis rigole comme si de rien n'était. Il flash sur l'image d'un être humain qui fait le mal sans être ému, finalement, par l'autre, sans ressentir rien pour l'autre, sans avoir d'état d'âme sur le mal qu'il fait à l'autre, et au contraire, qui affiche ce qu'on pourrait appeler un cynisme joyeux. Malgré tout, l'avocat de la Défense plaide l'acquittement. Après quelques heures de délibéré, Jean-Paul Lecomte est déclaré coupable. Il est condamné à la peine maximale, perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Mais Lecomte ne perd pas la face. Quelque chose à nous dire, votre client ? Ah ben, on peut lui demander. Jean-Paul, tu as quelque chose à dire ? Ben, je vais faire appel. Je conteste cette décision, je vais faire appel, donc... Monsieur Lecomte, il y a une chance sur 5600 milliards pour que ce ne soit pas votre ADN. Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas l'évidence ? Non, mais attendez, je conteste une partie de l'expertise. Je conteste une partie. Et je la contesterai toujours. J'ai trouvé ça odieux. Que pour lui, il était content, il fait la une des journaux, on parle de lui, on parle de sa personne. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Terminé, c'est bon. D'accord. Merci. Le soir même, Jean-Paul Lecomte fait appel de sa condamnation. Il sera rejugé 2 ans plus tard à Beauvais. Martyr ! Maître Makarevitch, pour son procès en appel, Jean-Paul Lecomte décide de changer d'avocat. C'est vous qui allez assurer sa défense. Comment ça se passe, là ? Première fois que vous le voyez ? On voit avec lui certains points du dossier tout de suite, hein, dès le premier entretien. Et il nous donne une version des faits. Et ensuite, nous lui posons un petit peu notre avis et nous lui indiquons ce qu'il serait bien, effectivement, de faire, c'est-à-dire de dire la vérité. Qu'il devait dire la vérité pour la famille des victimes et pour lui-même également. Et que c'était important, je pense, pour pouvoir avancer et essayer de passer aussi à autre chose. Alors, comment se déroule le procès ? Il vous a écouté ? On peut dire ça. On peut dire ça. C'est-à-dire ? Il a reconnu le meurtre de Patricia Leclerc. Et vous avez le sentiment quoi ? D'un soulagement ? Oui, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour lui de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire à la famille des choses qu'il n'avait pas dites auparavant au procès d'Amiens. Et oui, c'est une sorte de coup de théâtre, on va dire. Alors, quelle est sa version des faits concernant la mort de Patricia ? C'est pulsionnel. C'était pulsionnel. Hein. Il indique qu'il est sur une route, qu'il voit arriver un vélo, qu'il a une pulsion et que finalement il essaie d'arrêter cette fille pour essayer peut-être d'avoir une relation avec. Et puis ça a dégénéré. Voilà la version qu'il livre à la cour d'assises. Ça n'a pas changé quoi que ce soit au verdict, le fait qu'il l'ait avoué. Il est condamné. Perpétuité. Comme en première instance. Tout à fait. Le 24 novembre 2008, le troisième procès de Jean-Paul Lecomte s'ouvre devant les assises de la Somme. Cette fois, il doit répondre du meurtre de Christelle Dubuisson. Et ça n'est pas parce qu'il a fini par avouer le meurtre de Patricia qu'il va avouer celui de Christelle. Moi, je crois que ces aveux en appel devant la cour d'assises d'appel de l'Oise, ce sont des aveux stratégiques pour pouvoir aller contester dans Christelle Dubuisson en disant mais, mesdames et messieurs les jurés, quand c'est moi, j'avoue. Regardez ce que j'ai fait devant la cour d'assises de l'Oise. Mais quand c'est pas moi, j'avoue pas, je suis innocent. Quel intérêt pourrait-il avoir à reconnaître la vérité ? Certainement pas celui de soulager les victimes, puisqu'il n'est pas accessible à leur souffrance et qu'à la limite, ça l'amuse plutôt qu'autre chose. Jean-Paul Lecomte sait que dans ce dossier, il y a moins de preuves contre lui. Et surtout, il n'y a pas d'ADN. Il est très froid, oui. Il est absent, c'est pas lui, quoi. C'est pas son affaire. Ce n'est pas un assassin.
il est prêt à tout pour éviter une deuxième condamnation. Il va pas hésiter à la salir, hein, Christelle. Il va profiter de son père. Toutes les failles, il va les utiliser à juste titre. Bah, c'est-à-dire, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être son père quand on voit ce qu'il est capable de faire. Pierre Dubuisson est appelé à la barre pour s'expliquer. Et maintenant, il nie avoir abusé de sa fille, malgré la présence de son sperme sur les sous-vêtements. Mais aujourd'hui, ça n'est pas lui qu'on juge, c'est le comte. L'accusé multiplie les provocations, mais les experts vont le mettre en difficulté. Il confirme que la terre retrouvée sous le cyclomoteur de Jean-Paul Lecomte est bien celle du parking où la fourgonnette a été volée. Rien n'y fait. La forteresse Lecomte ne vacille toujours pas. La partie civile se décide alors à attaquer. Moi, je sais que Lecomte ne finit pas très bien ses journées. Et stratégiquement, c'est à partir de 16h-17h qu'il faut attaquer. Et je vais mettre sous les yeux de Jean-Paul Lecomte les photos de Christelle Dubuisson. Regardez, monsieur Lecomte, vous n'avez rien fait. Regardez les photos qui sont là. C'est horrible à voir, monsieur Lecomte. C'est horrible à faire. Oui, c'est horrible à faire. Et là, il se reprend, mais je n'ai rien fait. Mais moi, je suis tout près. Je suis face à face, les yeux dans les yeux avec Jean-Paul Lecomte. Je sais qu'à ce moment-là, il est en train de flancher. Il est en train de flancher, mais il ne flanche pas complètement. Il se reprend. Il se reprend, mais il nous laisse quand même... C'est horrible à faire. C'est horrible à faire. La phrase sonne comme un aveu. Il n'ira pas plus loin. Il n'exprimera pas le moindre regret. À aucun moment, il n'y a eu le moindre sentiment. Et je n'ai pas du tout ressenti que cela puisse être parce qu'il voulait le cacher. Je crois que c'est parce qu'il n'en a pas. C'est un homme qui n'a pas de sentiment à l'égard d'autrui. Le 28 novembre 2008, Jean-Paul Lecomte est à nouveau condamné à perpétuité. On est satisfait parce qu'on se dit la justice a bien fait son travail. Il sera enfermé pendant ce temps-là, il agressera personne d'autre, bien sûr. Mais en même temps, on aurait aimé plus que ce soit plus explicite. On aurait aimé avoir plus d'informations sur les circonstances, mais de sa part. Pas par des éléments de gendarmerie ou des choses comme ça. Maître Makarevitch, dans l'affaire Dubuisson, pourquoi est-ce que Jean-Paul Lecomte ne fait pas appel de sa condamnation ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il fait appel de sa condamnation, Jean-Paul Lecomte, sauf qu'il se désiste par la suite. Moi, j'interprète ça comme une lassitude. Voilà, une lassitude, un épuisement moral et plus envie de se battre. Vous, vous avez cru qu'il était innocent dans le meurtre de Christelle Dubuisson ? Pour moi, toutes les pistes n'ont pas été envisagées. Il y a eu un gros travail qui est tout à fait respectable des enquêteurs. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un travail remarquable. Mais j'ai eu un peu le sentiment que tout était joué d'avance. Voilà. Parce qu'il avait déjà tué ? Voilà. Parce qu'il avait déjà été condamné à perpétuité ? Tout à fait. Jean-Paul Lecomte a donc été condamné deux fois à perpétuité pour deux meurtres. Reste le dossier Kulik. Élodie Kulik a été assassinée quand Lecomte était en prison. Donc ça n'est pas lui. Mais alors c'est qui ? À Péronne, la banque où travaillait Élodie Kulik a fermé. Les lettres sur la façade se sont effacées avec le temps, mais pas le souvenir d'Élodie. Depuis ce soir de janvier 2002, le mystère de son meurtre n'a jamais été résolu. Trois juges se sont relayés sur le dossier, des dizaines d'hommes ont été placés en garde à vue, des centaines de comparaisons ADN ont été effectuées. Aujourd'hui, une cellule de plusieurs gendarmes travaille toujours sur ce meurtre, persuadée qu'un jour, ils retrouveront les assassins. Jackie Kulik,
Vous vivez aujourd'hui avec l'espoir qu'un jour, le fichier des empreintes génétiques maturera avec l'ADN de l'assassin de votre fille. Oui, tout à fait. Le fichier s'est beaucoup, beaucoup étoffé depuis. Vous savez que pour Elodie, on est actuellement à 5300 ADN. Donc, moi, je pense qu'on on va y arriver. Un jour, ça va faire bingo. Un jour, ça fera tilt, oui. Bon, j'ose l'espérer. Mais il y a des gens qui peuvent, vous entendant une fois de plus, dire « ce père mérite de connaître la vérité ». J'espère bien que ça réveillera des consciences. Vous savez, chaque fois que je fais une interview ou autre, hein, c'est toujours dans cet espoir-là, j'ai toujours l'espoir. Et on a chaque fois des retombées. Peut-être qu'un jour, ça amènera quelque chose. En théorie, Jean-Paul Lecomte, condamné deux fois à perpétuité, pourra déposer une première demande de libération conditionnelle après 15 années de détention. Mais avec son profil de récidiviste, il a assez peu de chances de l'obtenir.